Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le quatrième épisode sur Assassin's Creed Mirage. Donc, on devait retourner, retrouver Roshan au bureau et on y est, on ouvre la porte, c'est parti. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais Nour était en lien avec un dénommé Béchi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince. Mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Alors, le menu des enquêtes. Le menu d'enquête affiche la progression de vos affaires et enquêtes. Lorsqu'il contient de nouvelles informations, le symbole s'affiche. Dévoilement d'affaires. Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilées. On les trouve en se rendant en certains lieux et en aidant des habitants. Après avoir obtenu un indice, examinez-le afin de disposer de plus d'informations susceptibles d'être utiles à votre enquête. Pardon. Suivre une affaire mettra à jour les informations affichées sur la carte, la boussole et dans le journal du jeu. Au fil de votre progression dans les affaires, vous ferez avancer l'enquête de Basim et le récit. Ok, donc là, on soupçonne l'ordre d'être derrière la disparition d'Ali, trouver Béchi et trouver le contact de Nour. Ok, donc ça ressemble un petit peu... Ah oui, wow, mon dieu, c'est grand, il y aura plein d'enquêtes. Mais oui, ça ressemble un peu à ce qu'on avait là avec l'arbre des membres de l'ordre dans Valhalla, mais ça a l'air d'être un peu différent, puis ça rejoint l'histoire. Alors, suivre une affaire. Vous pouvez poursuivre les aventures de Basim. Choisissez parmi les affaires disponibles dans le menu enquête. J'imagine faut... En fait, c'est nos quêtes principales, tout simplement. Ok. Consultez souvent le menu d'enquête pour connaître les progrès de ceux qu'on ne voit pas face à l'ordre des anciens. Il recevra régulièrement de nouvelles affaires et indices. Alors, affichez les affaires à proximité. Magasin de l'Animus, approfondissez votre expérience grâce au contenu additionnel, j'imagine. Ok. Bon, on va. Pourquoi il. Il m'a dit de suivre ça et il me fait suivre l'autre. Bon, en tout cas, j'ai le choix en fait. Bon, trouvez Béchi. Alors, est-ce qu'on voit avec le symbole si on l'a activé ou pas? Là, j'ai l'air d'avoir un petit rond orange au milieu de l'aigle, donc je pense que oui, ça veut dire que je l'ai activé. Si on regarde la carte, on peut me téléporter. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était forgeron. Modifie les statistiques, l'apparence des épées et des dagues. Ok, le bureau, le site historique. Pas monter de porte. Ouvre la porte. Je viens de là. سيتولى الله الأمر إذا كانت هذه مشيئته.
Alors, jetons de Kidma. Les jetons de Kidma sont une forme de monnaie utilisable pour s'assurer les services des factions de Bagdad. On en obtient en mêlant bien des contrats, en ouvrant certains coffres ou en détroussant les gens dans les rues. Bon, site historique, c'est ça. Ici, c'est en dessous, c'est en bas, c'est... Dans le bureau, je comprends pas. Alors, ça dit que c'est en haut. Mètres plus bas. Quelque chose à l'étage, désolé hein, je perds du temps avec ça, mais c'est parce que il y a un lieu d'indiquer. Ça m'énerve. 4 mètres, ça dit pas si c'est plus haut, plus bas. Ça a l'air d'avoir de fenêtres ouvertes. Et ici, ah mon Dieu, les escaliers. Tout ça pour ça. Fait peur à des gens. Alors, service de forgeron et de tailleur. Les forgerons peuvent améliorer vos armes si vous disposez des matériaux suffisants. Chaque arme peut être améliorée 2 fois. Les tailleurs proposent un service similaire pour les tenues. Les améliorations consomment des matériaux où vous trouverez des lingots d'acier et du cuir en explorant l'univers, en ouvrant des coffres et en menant à bien certaines activités. Améliorer une arme ou une tenue. Je suppose aussi de posséder un schéma d'amélioration spécifique. Ils sont rares et se trouvent généralement dans des coffres bien gardés. Amélioration d'une arme en accroît les stats, l'amélioration d'une tenue en accroît les avantages. Juste lui parler pour voir. Sois le bienvenu. Puis-je voir tes marchandises? Jette un œil. Alors, amélioration d'équipement. Il est possible d'améliorer les armes et les tenues en apportant un schéma d'amélioration spécifique à un forgeron ou à un tailleur. Ce service réclamera aussi des lingots d'acier et de cuir.
Améliorer une tenue débloque de nouveaux avantages alors qu'améliorer une arme en aquest. Vous trouverez des matériaux d'amélioration en explorant l'univers, en ouvrant les coffres. L'apparence des armes peut être modifiée chez un forgeron à l'aide du service correspondant. Seule l'esthétique de l'arme change, ses stats et ses effets d'avantage demeurent identiques. Je peux lui offrir une seconde vie. Ok, ouais, donc là c'est vraiment le même principe que Valhalla. Ça c'est pour l'apparence, ok. Rien d'autre ? Et... tu as tout ce que tu veux ? Bien, il faut que j'y aille. Adieu alors. Ok, bon. Section par là. Guide-moi. Enfin, le réseau sert à quelque chose parce que dans Valhalla il servait à rien. Distrait les gardes. Ok, jeton de Kidman, on peut payer pour qui distrait les gardes. C'est peut-être Béchy qui a mis ses hommes. C'est toi, Béchy? Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler? Bassim. Très bien, Bassim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc? Vous comptez aller chercher Ali? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. J'ai besoin de ton aide. Il doit y avoir quelque chose ici. Voilà. Voilà. On a tout trouvé. On va essayer d'afficher tous les gardes. Ici en plus. L'histoire que racontent les eunuques sont incroyables. Bah, je pense qu'ils ont presque tous affichés. La vision de l'aigle sera améliorée, ce sera mieux. Ouais, la quinoa, elle est déjà cool.
Hey, à voir ailleurs. Hey, bouge. Bon, je peux peut-être laisser un couteau dans la gorge. Toi, je vais t'achever. Ah. Dans quel ordre on fait les choses? Donc il y avait là-bas, la clé ici, il y avait dans le bateau, et je crois que c'était oui, en dessous de où je suis. Et il faut aller chercher le. Si je siffle. Allons bon, on sera prêts si besoin est. Ils sont deux à venir. Merde. Ça c'est con. Mon gars, il a disparu dans les buissons, hein. De disparaître. Comment elle marche normalement? Oh, secours, secours, il est mort. Merci. Allez sur les quais, retrouvez Béchy. Alors, mon achat d'ouvriers originaire de l'Ouest. C'est avéré plus compliqué que prévu et je m'attends à manquer de bras jusqu'à ce que la question soit résolue. Pour l'instant, tous les rebelles capturés devront être épargnés et emprisonnés. J'organiserai leur transport, emploierai les plus aptes et me débarrasserai d'eux après. Sache que ta rémunération sera à la hauteur. Al'Ghul. Voilà, un de libéré. Je sais pas à quelle distance on peut le lancer, mais... pas assez loin. Tu gardes rôti. Ah, ils sont deux. Non, mais... Qu'est-ce que...
Il est temps de filer. C'est la fin. C'est mauvais, ça. Merci beaucoup, l'ami. Je pensais que la jauge allait monter seulement quand on se faisait voir. À part s'il y a des gens qui m'ont vu. Ah, il y a des civils, là, j'ai dû être vu. C'est quoi ça, ce goût? J'ai besoin de ta vue. J'ai du sommeil à rattraper. Sont deux, ça va être compliqué. Ah, je déteste quand il m'échappe. La mort a frappé. Il est temps d'abattre ce chien. Oh, il m'a massacré, lui. Oh non, va falloir tout recommencer. D'un petit air. Montre-moi le chemin. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que c'est que notre naissance? Quoi? Cacher les corps. Par contre, j'avais bien aimé les faire exploser, c'était drôle. Allez, ramasse! Ah! Ça a dû faire mal.
Allez sur les quais. Retrouvez Béchy. Mais non, dépose-le pas gentiment, fais tomber à l'eau, voilà. Merci, mon ami. Sois mes yeux et mes mains. Ok, j'ai oublié de prendre le coffre qu'il y avait ici sur le bateau. Il y en a un qui a fini par tomber à l'eau. Passe pas là. J'imagine que ça va bloquer si je le tire. Allez, t'es capable. Non. Le coffre est juste là. Ah mais je suis stupide.
Non, j'ai pas besoin de passer par là. Et voilà, la tenue du soulèvement de Jans. D'ange. Alors, inventaire. Les tenues ont des avantages uniques. Elles vous aident à être plus discret, conformément aux valeurs de ce que l'on ne voit pas. Revêtir un habit permet de personnaliser l'apparence de Basim selon vos préférences. Un habit modifie l'apparence de la tenue actuelle, mais n'en change pas les avantages. Alors... là, l'âme silencieuse, célérité. Oh! D'ailleurs, j'avais ramassé une autre arme. Est-ce qu'elle est mieux, moins bien? 60 de dégâts. Attends. 50-50. Et là, 60-35. Ok. C'était nécessaire. Oui, il prend plus de temps pour ramasser le corps, surtout. Ça ne sera pas long. Ah, c'est quoi qui m'avait vu, lui. Il n'y en a plus. Allez. Je dois maintenant les rejoindre. Alors, fais dessus. Normalement, ça loot automatiquement les corps. Bon, alors, est-ce que j'ai tout ramassé? Il n'y a plus rien de jaune. Oui, il reste le coffre ici, un truc là-haut. Tu es tenace, Basim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin aux malheurs de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul, celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet ? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali.
Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque ? Qu'as-tu en tête, Bassim ? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al'Rul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al'Rul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Que suis-je censé en faire ? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah, Ofik. Ma recherche d'Ali se poursuit. J'obtiendrai peut-être quelques indices dans le quartier de Shari. Alors, le menu d'enquête. C'est complété. Non, on a une nouvelle enquête. Une nouvelle affaire. Al-Ghul, Al-Ghul. Membre de l'ordre appelé Al-Ghul. Bon. Non, on doit chercher le contact de Nour. Alors, jetons. Ouais, bon, ça, ils me l'ont déjà dit tout à l'heure. Il faut que je trouve des affiches à déchirer. Les gardes vont se montrer vigilants. Hey ! J'ai déjà vu ce visage. Hamza a recommencé ce matin. A provoqué le nouveau, à lui voler sa très ressemblant. Et lui dire d'arrêter. Alors, service de négociant. Les négociants représentent le meilleur moyen de reconstituer votre stock de consommables. En échange de dirhams, vous pouvez acheter des munitions ou des élixirs. Si vous êtes à court de munitions, cherchez le négociant le plus proche. Quoi, tu es un négociant ? Non, je peux même pas lui parler. Négociant... Ça me met la bulle d'info. Ah, ok, juste là. Bonjour. Content de te voir. Alors, ok, il y a des trucs spéciaux à ramasser. Oui, je t'en prie. Alors, les négociants vendent divers objets, dont les consommables et les éléments esthétiques. Ils représentent le principal moyen de reconstituer votre stock de munitions et d'élixirs. Il est possible de reconstituer instantanément votre stock de munitions et d'outils. Et d'élixir à l'aide de le bouton plein rapide. Les objets que vous trouverez au fil de votre aventure intéresseront les négociants. Vous pouvez leur vendre à l'aide de l'onglet vendre. Ok, ça c'est des objets. Des babioles. Ok, hop, vendre. On en a jamais assez, comment ? Ensuite, on a une tenue ici qui coûte 500. Okay. Ton matériel a besoin de soins. Ça je suis au maximum. Et là, on va en prendre un une. Choix. Voilà. Rien. Je fais bon voyage. Ok, bon, on va essayer d'aller au point culminant. Ça passe quoi quand on si on rate ? Alors, il y a un lieu historique. Hop. مجانا
non, pas par là. Deuxième point d'exploration et on voit plein de trucs. Expansion de l'islam par le commerce. Forgeron, on a ici groupe de marchands, site historique, site historique. Ça, c'est des points aussi à visiter. Site historique ici encore. Grand suggéré assassin, ok. Force supérieure, ah, site historique ici. Là. Il y avait une croix parce que j'ai ramassé le coffre important. Dit historique. Eh ben, il y a pas mal de choses à faire en tout cas. Bon, rang suggéré, initié. On a encore deux énigmes à faire. Quatre coffres à ramasser, un éclat mystérieux et d'autres choses non découvertes. Et plein de sites historiques. Ok. Bon, alors, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te remercie grandement. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.